Ça ne vous fait rien de commencer l'interview? Oh, merci. Bien, nous allons commencer par l'état civil. Vous êtes marié? Ah, non, je suis célibataire. Est-ce que vous avez une amie? Pour l'instant, non, mais si ça m'arrivait, vous seriez la première à la prendre. Quel âge avez-vous? Ah, plus de 21 ans. Ah, oui, d'accord, vous voulez pas qu'on le sache. Bon, ben, j'insiste pas. Vos mensurations, combien faites-vous? Votre taille, je veux dire. 1m92. 1m92. Vous pesez combien? Environ 102, 103 kilos. 102, 103 kilos? Bien. Et est-ce qu'on peut dire que, du point de vue physique, vos fonctions sont normales? J'ai pas très bien saisi. En termes plus délicats, est-ce que... Est-ce que vous mangez? Oui. Oui, je mange. Comme tout le monde. C'est drôle. Bien sûr, c'est idiot. Ah, bien. Dites-moi, est-il vrai que vous pouvez voir à travers n'importe quoi? Ah oui, c'est vrai. Enfin, presque n'importe quoi. Est-ce que vous êtes insensible à toute forme de douleur physique? Pour l'instant, oui. De quelle couleur sont mes sous-vêtements? Excusez-moi, ma question vous gêne. Oh non. Oh si, j'en suis sûre. Non, 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 mademoiselle. Oh, non, c'est que je crois que ce bac à fleurs est en plomb. Oui, en effet. Eh bien, c'est ça. J'ai des difficultés à percevoir à travers le plomb. Ça, c'est intéressant. Vous avez des difficultés. Mmh. Vous avez un nom de baptême? Vous voulez dire comme Ralph ou Martin? Oui, je veux dire comme... Rose. Hein? Rose. Excusez-moi, c'est moi qui ne voudrais pas vous gêner. Oh, je vous en prie, vous ne me gênez pas. Vous n'êtes pas d'ici, vous êtes d'où exactement? Eh bien, c'est difficile à expliquer. C'est vrai que je ne suis pas d'ici. Je viens de très loin, d'une autre galaxie, d'un monde différent. Je viens d'une planète nommée Krypton. Et? Krypton. Oh, Krypton! Ah oui, ça s'écrit C-R-I... Non, ça s'écrirait plutôt K-R-Y-P-T-O-N. K-R... Y... Vous aimez le rose? Oui, j'aime le rose, Loïs.